mais il m'arrive souvent de repenser encore à l'adolescent que je ne suis plus. On sourit en revoyant sur les photos jaunies, pleure un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans et que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux. J'irai bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisser t'embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire ce chemin à l'envers, et pourtant je paierai cher pour vivre un seul instant le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. On oublie. Et puis encore une chanson qui nous ramène dans les années 70. Une chanson qui, je ne sais pas pour vous, mais moi, elle me rend toujours un petit peu nostalgique quand je l'entends. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Une chanson, encore une fois, qui se joue habituellement, normalement, au piano, sauf pour l'intro qui se fait pour la petite partie solo, la guitare électrique. Alors moi, j'ai essayé de vous proposer quelque chose en arpège qui se rapproche un petit peu de cette histoire-là. Avant d'attaquer, je voulais juste faire un petit aparté sur ma guitare, parce que j'ai pas mal de gens qui me demandent par message quelle est ma guitare, parce qu'elle sonne bien. C'est vrai, ma guitare sonne bien, je trouve. C'est une Tanglewood série Heritage H15, pour ceux qui ça intéresse. Elle n'est pas amplifiée, elle n'est pas équipée d'un capteur, et c'est pour ça que je mets un micro devant. Voilà pour la petite parenthèse, et je vous propose tout de suite d'aller sur la petite intro. Quelques précisions avant. J'ai mis un capot 2 pour faciliter les accords. Du coup, ça ne me plaisait pas trop dans la littérature ce qu'on trouve avec cette position et ces accords-là, et j'ai remanié un tout petit peu ce que l'on peut trouver pour que ça corresponde un peu plus, me semble-t-il, à la chanson. Voilà pour les explications. Je vais partir sur la base d'un mi mineur et je vais préparer mon petit doigt en position La sus 4, c'est-à-dire dans la même case, hein, la corde de Sol juste en dessous. Je vais jouer corde de Sol. Je pose mon petit doigt et je joue la même corde, ce qui me fait pam pam. Ensuite, j'enlève mon petit doigt, je vais sur la corde de Si et je remonte. Je résume cette première partie. Ensuite, je vais jouer deux fois la corde de Si. Et encore une fois. Je résume. Seconde partie. Je rejoue de nouveau la corde de Si deux fois. De nouveau, je pose mon petit doigt et je joue la corde de Sol. Et la même corde à vide. Je passe en La mineur et je remonte à partir de la corde de Sol. Et pour terminer, je vais jouer deux fois la corde de Sol toujours en position La mineur. La corde de Sol toujours à vide. Et je viens chercher la case 4 sur la corde de Ré. Et pour lancer le couplet, je vais jouer la case 3 de la corde de Mi et la corde de La à vide. Et j'attaquerai mon couplet en suivant. On va la jouer ensemble tout doucement. Évidemment, vous pourrez apporter des modifications à cette histoire. C'est quelque chose que j'ai construit comme ça, histoire d'avoir une intro qui ressemble vaguement à ce qui est proposé dans l'original. Allons-y. 3, 4 et... Voilà pour la petite intro, pour
la première partie de ce couplet, j'ai essayé de suivre ce que faisait le piano dans la chanson originale. Un arpège, somme toute, très facile que j'ai choisi de faire au médiator parce que, après, durant la chanson, je vais passer en rythmique et ça m'arrange bien d'être en médiator. Enfin, pour moi. À vous de voir si vous voulez le faire avec vos petits doigts. Donc, j'ai fait ma petite intro, la fin de ma petite intro. Bonjour. Je passe en mi et je vais descendre 4 notes. Tout simplement. Et je vais le faire 2 fois sur le mi. Je passe en la mineur, et je fais la même chose, 2 arpèges. En ré et là, je suis obligé de jouer les 4 dernières notes, cordes. Ou les 4 premières, selon le côté où on les regarde. Toute la partie suivante du couplet, je ne ferai plus qu'un arpège par accord. Le sol, do, AM7, D7, de nouveau D7, le do, le B7, et je finirai par un mi et je rajouterai une note. Allons-y ensemble et je commence par mes 2 premières notes de l'intro. 3, 4 et... Voilà pour cette première partie instrumentale couplée. Et on rattaque la seconde partie du couplet, somme toute, un petit peu plus facile parce qu'on va faire, pour la première partie, un petit peu de feu de camp, un petit peu allégé, je pense. Donc, on a fini sur notre mi mineur, le précédent couplet qui faisait... Et bas, haut, haut, bas, la mineur. Et là, on fait qu'un seul sol, do, D7, sol, O, la mineur, do, B7 et mi. Et là, nous avons l'ensemble du couplet qui est donc en 2 parties. Avant d'attaquer le refrain, je vous propose de refaire cette partie entière avec la liaison entre les arpèges et la rythmique feu de camp. Toujours à partir des 2 dernières notes de l'intro. 3, 4 et... Voilà. Au risque de me répéter, quand vous bossez ce genre de choses, avec moi par exemple, si vous vous trompez, ne vous arrêtez pas. Poursuivez, vous en êtes rendu compte que vous êtes trompé. Donc vous allez rectifier le coup d'après. Mais ne vous arrêtez pas. Essayez de conserver le rythme et de continuer à jouer. Pour que la rythmique suivante sonne, il va falloir y aller mollo et sans doute étouffer un petit peu vos cordes. Donc, cette rythmique,
je suis en mi et je vais faire une basse et un petit haut. Et si possible, je vais étouffer ce petit haut. Pour ma part, j'étouffe avec mon doigt de ma main gauche. C'est pas parfait. Tant pis s'il y a quelques notes qui sonnent. Par contre, il faut absolument éviter d'aller chercher en bas. Autrement, vous ne pourrez pas étouffer. Ou alors, il faudra le faire avec la main droite. Donc, je suis en mi et j'en fais 4. 1, 2, 3, 4. Je vais faire un sol augmenté, un nom barbare pour un accord somme toute assez simple, hein, tout en haut du manche. Je ne mets pas mon petit doigt pour l'instant parce que je vais continuer à jouer en haut. 3, 4. Je pose mon petit doigt et je fais un sol normal pour faire les 4 accords suivants. 3, 4. Un mi mineur. Sur la littérature, on trouve un E, M, 6. Moi, je trouve qu'il colle pas très bien. Du coup, je préfère faire un mi mineur et j'en fais 4 également. 1, 2, 3, 4. La mineur. Je change de basse. 2, 3, 4. B7. 2, 3, 4. Vous savez quoi? Bon, vous avez compris le système de rythmique. Du coup, les accords vont s'afficher et on va essayer de faire ce refrain entier ensemble. 3. Pan, pan. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et mi. 2, 3, 4, la mineur, 2, 3, 4, B7, 2, 3, 4, la mineur, 2, 3, 4, B7, 2, 3, et recommence, et mi, 2, 3, 4, sol augmenté, 2, 3, 4, et sol, 2, 3, 4, mi mineur, 2, 3, ré, 1, 2, 3, sol, 1, 2, 3, fa dièse septième, 2, 3, 4, et là on s'arrête parce que les 3 accords suivants, on n'en fera qu'un si majeur, la et sol, et on rattaquera, on oublie, le couplet suivant, le chant. Comme le tuto est un peu long, que je vais avoir à chanter pas mal, capo 2 c'est un petit peu haut pour moi, je vais chanter l'octave en dessous. Et de temps en temps, je reprendrai la vraie tessiture pour que vous puissiez voir la différence. Alors, vous avez sans doute compris que lorsque je termine mon intro par les 2 notes, ce sont les 2 premières du couplet. Donc, je vais les chanter et je fais en mi. Je passe en mi mineur et le bli tombe sur la basse du mi mineur. Bli. Je lance à partir de là la phrase suivante. Hier est loin. Basse du la mineur sur loin, si loin d'aujourd'hui. Je vais passer en sol et là, comme indiqué précédemment, je ne ferai qu'un arpège. Mais il m'a rive souvent le dos de rêver encore, encore des septièmes à l'adolescent le dos des septièmes que je ne suis plus. Faisons cette première partie en arpège ensemble à partir des 2 notes de fin d'intro. 3, 4 et on oublie, hier est loin, si loin d'aujourd'hui, mais il m'arrive souvent de rêver encore à l'adolescent que je ne suis plus. Voilà. Pas très compliqué. Si vous le faites tourner un petit peu en boucle, je suis sûr que vous allez faire ça très rapidement. La suite, on rattaque en rythmique feu de camp, mais on va attaquer le chant
avant en faisant on sourit. Allons-y ensemble. 3, 4 et on sourit en revoyant sur les photos jaunies l'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans. Retour et que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux. Voilà pour la deuxième partie du couplet. Je vous propose de le faire entier, ensemble, à petite vitesse. 3, 4. On oublie, hier est loin, si loin d'aujourd'hui. Mais il m'arrive souvent de rêver encore à l'adolescent que je ne suis plus. On sourit en revoyant sur les photos jaunies l'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans et que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux. J'irai bien. Voilà pour le couplet complet. Je vais attaquer le chant, la basse sur le bien. Ça veut dire que je vais attaquer le chant avant de jouer l'accord. J'irai bien refaire un tour du côté de chez soi, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisser embrasser sur la joue. Je m'arrête et je vais accompagner le début du couplet suivant par « Je ne » de B7 et je rattaque. Voudrais pas refaire ce chemin à l'envers, et pourtant je paierai cher pour revivre un seul instant, le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. Là, seul, on oublie. Et puis un jour, voilà pour ce refrain complet. Pour finir, comme la chanson est relativement courte, je vous propose que nous fassions ensemble le couplet complet, le refrain, le dernier couplet qui est en fait la deuxième partie du premier couplet avec des paroles différentes. Et après, on attaquera juste le dernier refrain que vous devrez faire pour allonger un petit peu cette chanson 2 à 3 fois. Nous, on fera juste le début pour que vous voyez comment on va amancher tout ça. Alors, on va tenter d'y aller doucement. C'est difficile de jouer doucement ce refrain qui demande un petit peu d'emballement, c'est-à-dire j'irai bien refaire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne. Vous voyez, dès qu'on lui donne un petit peu de patate, tout de suite ça sonne différemment. Mais pour une question de pédagogie, on va y aller doucement du début jusqu'à la fin et je vais essayer de tenir un rythme lent, ce qui n'est pas toujours évident. Je travaille sans métronome, vous l'avez remarqué. Avec la petite intro si vous voulez bien. 3, 4 et... Mais il m'arrive souvent de rêver encore à l'adolescent que je ne suis plus. On sourit
en revoyant sur les photos jaunies l'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans et que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux. J'irais bien faire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne. Elle se laissait embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire ce chemin à l'envers, et pourtant je paierais cher pour revivre un seul instant le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. On oublie, et puis un jour il suffit d'un parfum pour qu'on retrouve soudain la magie d'un matin, et l'on oublie l'avenir pour quelques souvenirs. J'irais bien refaire un tour du côté chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne, et celle s'est embrassée sur la joue. Je ne voudrais pas refaire ce chemin à l'envers, et pourtant je paierais cher pour vivre un seul instant le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. J'irai. Et voilà, dans la boîte. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je voudrais m'excuser auprès de tous ceux qui me demandent des tutos très particuliers. Je dois vous dire que j'en ai tellement en attente que je les rajoute au fur et à mesure au bout de la liste. Et il va falloir s'armer de patience. Merci de me laisser vos petits commentaires sur YouTube et éventuellement par mail aussi si vous le voulez, mon adresse s'affichant au tout début de la vidéo. Je vous dis à bientôt.